Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment exporter depuis Eredis une liste d'individus avec des événements localisés et leurs coordonnées GPS. Une seconde vidéo présentera comment traiter ces éléments sur un outil cartographique. Voilà Eredis qui est ouvert et je vais ouvrir ma généalogie qui va servir à ce test. J'arrive ici directement sur l'onglet Recherche. Et c'est ici la recherche intelligente qui va m'intéresser. J'ai décidé pour ce test de rechercher toutes les femmes qui savent signer et qui ont vécu avant la Révolution. Donc pour faire cette recherche, je vais d'abord rechercher toutes les femmes. Donc ici, je vais sélectionner individu, sexe est égal à F. Second critère, des individus qui savent signer. Individu, signature égale à c'est signé. Et enfin, les personnes qui sont nées avant la Révolution, donc je vais rechercher ici les événements. Alors avant la Révolution, ce sont plus généralement les baptêmes dont la date est précise. Et cette recherche, pour la limiter un petit peu, je vais juste l'exécuter sur la lignée Sosa. Donc on retrouve ici, je cherche dans la lignée Sosa, les individus dont le sexe est féminin et dont la signature est c'est signé, ayant un événement baptême, dont une date précise. Je clique sur rechercher, et j'obtiens ici 21 personnes, que des femmes, ce qui est logique. Derrière, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir extraire ces informations-là, donc je vais cliquer en bas à droite sur éditer la liste, liste paramétrable, liste d'individus. Une nouvelle fenêtre s'ouvre avec ici l'ensemble de mes 21 personnes avec un certain nombre d'informations dont une partie qui ne va pas m'intéresser. Là j'ai bien les noms et les prénoms de ces femmes, leur date de naissance et la localisation. Leur conjoint, la date de leur union, ces éléments ne m'intéressent pas, je vais donc les supprimer. Le lieu seul ne va pas être utile, donc pour cela, je vais ici ajouter des éléments au niveau du baptême, donc un événement individuel, majeur, le baptême, et sur la localisation, je vais aller sélectionner latitude et longitude. Je clique ici sur OK. Je retrouve ici donc les bonnes informations, et pour chaque lieu, je retrouve les latitudes et la longitude de chaque lieu. Ici, je peux donc exporter soit en format CSV ou sous Excel. C'est ce dernier choix que je vais opérer. Vous cliquez sur Enregistrer sous, vous mettez le nom que vous souhaitez. Je vais garder, j'avais déjà fait un test. Je vais cliquer sur Enregistrer, je remplace et je valide. Je peux fermer ma fenêtre maintenant que mon export est réalisé. Eredis va me demander si je souhaite enregistrer ce modèle. Comme c'était uniquement pour un test, je vais fermer sans enregistrer. Eredis donc a permis de vous extraire toutes ces données localisées et nous allons pouvoir voir ensuite dans une deuxième vidéo comment traiter ces informations-là dans un autre logiciel qui s'appelle UMAP.